What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que dans la dernière vidéo je ferai l'intro en runa. Bon, évidemment j'ai pas pensé à faire le haut, mais who cares. Aujourd'hui les amis, 30 minutes cosplay, vous connaissez le contexte. Au bout d'un moment je crois qu'on est au 7ème, 8ème épisode, j'en sais rien, bref. Mais aujourd'hui nous sommes en compagnie de pas moins que une des meilleures cosplayeuses de France sur TikTok. Je vous présente Moatori. Hey, bonjour. Tu vas pouvoir me mettre la pâtée. Non mais en vrai j'ai trop hâte de voir ce que tu peux faire, parce que j'ai choisi des persos exprès qui seraient difficiles du coup. Et j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller. Ok, bah on va voir comment ça va se passer. Je suis un peu stressée, mais ça va être marrant en vrai. Comme premier personnage, je lui ai choisi une fille compliquée à mes yeux, mais peut-être que elle, ce sera facile. Mais en tout cas, pour moi, c'est... On n'a pas forcément ça dans la garde-robe, sachant qu'on vit au 21e siècle. Moi, je te présente Violette Evergarden. Ah ouais, c'est compliqué, là, il y a beaucoup de détails et tout. Mais tu l'as pas dans ton placard? Non, non, je ne l'ai pas. I knew it. Oui, j'ai fait un dab en 2021. On lance dans 3... 2, 1 et go. Allez, bonne chance. Alors pour une fois j'ai un super caméraman qui est autre que my boyfriend. Du coup vous pouvez admirer mon outfit pendant quelques secondes. Ok, c'est fini. Vous connaissez le fameux bac à perruque. C'est bien parce que dans cette vidéo vous allez pouvoir voir une vraie cosplayeuse qui prend soin de ses affaires. Et moi qui fout le bordel. Pourquoi t'as fait un zoom sur les perruques, t'as un problème? Tu veux te battre en fait? Du coup, re tout le monde, alors j'ai commencé par me trouver une perruque blonde. C'est pas le choix qui manque, on en a énormément ici. J'ai ça, mais c'est vaste, c'est très jaune en fait. J'ai ici la perruque couleur lin. Elle a un espèce de chignon avec un nœud rouge. Ah ah! Un ruban rouge, parfait. Bah, mon amour, le caméraman en sueur, il a fait tomber la moitié des seins. Y'a pas beaucoup de place, ok? Y'a rien qui va. Ces fricelles-là que je vais essayer de coiffer, genre que je vais essayer d'attacher comme ça derrière. J'ai pris une extension de cheveux que je vais essayer de venir attacher derrière. Et je vais essayer de la rouler sur elle-même pour faire un genre de chignon. Alors, elle a une espèce de lanière en cuir là. Donc, je vais prendre la ceinture de Rafta. Rien, ça m'a pour la millième fois dans les cosplays. Il me faudrait une... Je vais trébucher, putain, c'est pas possible, c'est n'importe quoi! Mettre ça parce que les manches en dessous elles font un peu vieillot avec les petites lignes. Elle a pas des gants bruns? Oh yes! Oh, c'est pas des gants ça? Ah voilà, on a les gants de Raftalia. Et je peux les retourner, comme ça, ça fera des gants bruns. Et pour les bottes, ça peut carrément passer, hein? Non, en fait, non. Parce que j'avais les bottes de Raftalia, mais mes chats ont décidé de pisser dessus. 24 minutes, ça va, on a presque trouvé à tout, beaucoup de choses. Pour le petit ruban qu'elle a là, je sais pas le nom que ça a, j'ai trouvé ça, elle a exactement le même. Bon, pour la veste, du coup, j'ai trouvé ça, c'est un petit gilet bleu que je vais mettre juste après. J'ai absolument pas de jupe longue et il me reste déjà plus que 20 minutes. Faudrait que je trouve une petite veste bleue, j'ai pas ça. Ah, mais attends, mais j'ai ma veste d'hôtesse de l'air. Pourquoi il crie? Mon truc, il a crié. Surtout, je suis en train d'écraser une méga souris. Normalement, je crois que j'ai une robe blanche très très longue. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Ok, ok, nous avons tout ce qu'il nous faut ici présent sous mes pieds, car je ne respecte absolument pas mes costumes. On devrait me retirer ce concept, genre le CPS devrait venir ou je sais pas quoi là. Est-ce que je serais pas sexy en blanc? Pas du tout, je trouve ça me va pas du tout, c'est horrible. Bon, j'ai absolument pas de jupe longue blanche, du coup je vais en prendre une courte. Bon voilà, j'ai mis les lentilles. Je fais un petit peu peur. C'est vrai qu'elles sont grosses, celles. J'aurais peut-être pas dû mettre des grosses lentilles comme ça, mais attendons de voir quand c'est terminé. Ouais. On censure? Mais arrête! Ouais, mais je ressemble à un oignon, arrête! Ok, now I'm a sexy onion. Oh merde! On dirait pas que je vais chanter dans le Roi Soleil. Je vous mets Louis, c'est en train de m'étrangler. Et par-dessus, je rajoute ce gros jupon de robe de moche là pour avoir une longue robe comme Violette Evergarden. Il me reste 15 minutes, mais attends, mais quoi? Je vais chercher des chaussures. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est vachement dans le style, je trouve. Je vais essayer de rajouter des petites ceintures marron comme elle a en fait. Bon. Ça c'est vraiment nul, mais j'arrive pas à la mettre autrement. On dirait que sa ceinture elle est comme ça. Mais je peux pas attacher derrière, c'est impossible. Passer dans mon col comme ça. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici? Bon là j'ai mis une ceinture comme ça qui tombe pour rappeler ces espèces de trucs. Paris au décollage, c'est votre hôtesse de l'air qui vous parle. Bon là du coup on a le petit veston bleu, je trouve ça va pas se crème. Regardez ce que j'ai dans la jupe pour la fermer. Ça ressemble un peu à rien, mais au moins ça fait son truc. Faudrait que j'ai un petit diamant du coup maintenant. Mais l'avantage c'est que comme je collectionne les pierres, venez chers amis. J'ai plein de pierres différentes, donc si je trouve une grosse pierre verte, ça pourrait le faire. J'ai mis ça comme chaussure. Je l'ai pas fermé justement la jupe pour qu'elle tombe un petit peu plus bas. Bon il me reste un peu de temps, du coup je vais reprendre une deuxième extension et je vais essayer de faire une tresse, de faire la tresse qu'elle a là. Ouais non, ça ne va pas aller en fait, elle est trop emmêlée. On a 11 minutes du coup pour la coiffure. On va faire sa ceinture d'abord qui passe là genre. What the heck? On va garder ça devant et derrière on va attacher. Mais elle a fait des tresses. Oh là là, mais tu pouvais pas avoir une coiffure simple pour le Moyen-Âge? Et j'espère que chez elle c'est sophistiqué. Genre Moatoli, ça se trouve, elle est en train de faire une bête de coiffure. Je peux faire peut-être une tresse de seconde. Ça tombe. Ah!
c'est pas si mal, regardez. On n'a pas quelque chose ici. Ok, bon, la coiffure est éclataxe, hein, on va pas se mytho. Il me reste 7 minutes 48, du coup... Et en vrai, c'est mignon. Pour l'instant, du coup, j'ai les cheveux couleur lin avec le petit nœud, le truc bleu avec la ceinture comme ceci, les manches bleues longues, la robe longue, j'ai les gants, sachant qu'il y en a un qui est cassé, mais de toute façon, elle a une main, une fausse main, enfin bref, une main en métal. Vous voyez, elle a des espèces de lanières en cuir qui tombent sur sa robe. Ah les gars, c'est dégueulasse, je vais pas les... Non, c'est bon, c'était mieux sans, c'était plus classe, plus raffiné, plus Violette Evergarden, quoi. Bon, faut pas regarder trop près, mais peut-être, si je rajoute ça... L'important, c'est de participer, comme on dit. L'appareil photo a surchauffé, il reste 3 minutes 59. Et je vais chercher une pierre à m'accrocher autour du cou. J'ai ça, quoi. Oh, il y a une mouche crevée. Pourquoi il y a une mouche crevée dans mes pierres? C'est dégueulasse. Je vais prendre une ficelle, ce sera plus simple. On passe le fil. Look at this beautiful stone. Et voilà. Après ce 30 minutes très éprouvante, à la fin, pendant que je voulais prendre les photos, j'ai rajouté les bottes parce que bah j'ai pas eu le temps de les prendre, j'ai oublié. Es-tu prête à me adorer? 3, 2, 1 et tutut. Ah ouais, t'as une mique qui a des tresses, toi. Non, c'est pas une tresse, c'est une extension de cheveux, tu verras dans les rushs. Oh, mais t'as la robe longue. Ouais, j'ai échoué à quelqu'un. Ah, mais c'est trop beau avec les yeux bleus et tout. T'as réussi à mettre la ceinture comme elle. Je sais pas, j'ai fait un truc bizarre, j'ai attaché par derrière, genre j'ai passé dans le col et tout, c'était une galère. Mais moi je voulais faire ça aussi, mais j'avais trop chaud, du coup j'ai juste fait passer par-dessus le boobies en espérant que ça tienne. T'as même le petit ruban rouge derrière, je remarque le détail, moi j'ai pas mis. Bah écoutez, voici nos deux différentes Violette Evergarden. Dites-nous qui selon vous a le mieux réussi ce premier cosplay et on va passer au second. Le deuxième personnage, les amis, est un personnage de type masculin. C'est mon copain qui m'a donné l'idée parce que. On va être carrément moche, meuf, hein. Genre je te le dis tout de suite. Ok. J'ai peur. Nous allons être dégueulasses car nous allons cosplayer. Oh mon dieu! One Punch Man! Je n'ai aucune idée de comment faire ce personnage. Je ne sais même pas comment je vais faire pour le truc jaune, les gants rouges, les bottes rouges. Ah, moi non plus. Ça va être chaud. C'est dur celui-là, il est plus dur que le Violette. Ça va être le challenge où nous allons perdre tous nos sex appeal et tous nos abonnés de type simp. Déjà, commençons par le step one. Je n'ai aucune tenue jaune. On va aller voir dans ma chambre. Mais ne regardez pas en bas. Vous regardez le plafond parce que c'est le bordel. Oh là là. Mais quel beau plafond, dis donc. Ah oui, non, mais quel beau plafond. Voici une wig cap qui n'a pas un milliard de trous. Ça sera mieux. Alors, le seul truc jaune que j'ai, chers amis, il s'agit de ceci. C'est le costume de poulet. Tu connais? Le problème, c'est que devant, c'est carrément genre... un poulet, quoi. Ah ouais, en plus, il faut une cape et tout. Oh non, mais au secours. Ça, là, voilà. Mais arrête, il va mourir, ma bébé, descends de là. Sinon, tu prends une torgnole de queue de renard. Okay, dans la tronche. Alors. Ceinture noire. De carapé. Vois sur ton chemin. Non, on dirait plutôt une vieille mamie dans une... Vieille folle dans un asile. Bon, du coup, pour les cheveux, je vais mettre un bonnet. Enfin, pour les cheveux. Pour les non-cheveux, je vais mettre un bonnet comme ça. Tu dirais, je vais à la piscine, là-haut. Yeah. Je vais essayer de chercher si j'ai pas quelque chose de jaune dans mon bac à cosplay, mais je pense pas en vrai. J'ai un truc Pikachu. Voilà. Mais y a pas beaucoup d'accessoires, honnêtement. Non, c'est facile à faire hein, comme cosplay. J'ai une chaussette de Noël pour... Ah non, c'est un bonnet en plus. Je peux pas avoir une chaussette de Noël, wesh. Ça aurait fait une boîte. En haut jaune, j'ai vraiment que celui-là. Quentin Tarantino dessus, donc je pense que je vais le mettre à l'envers. Et au niveau des pantalons, j'ai pas de pantalon jaune. Qui a un pantalon jaune dans sa vie? Mais je pense que je vais prendre du beige. Oh, ça va être dégueu. Ça va être trop moche. Et maintenant, je vais vous faire une transition sur TikTok où je deviens One Punch Man à moitié. Mon micro, il est où? J'ai dit c'est horrible. En plus, j'ai dû cacher la tête de poule. Sinon, ça aurait fait ça. Voilà ce que ça donne. Oh, ça n'a aucun sens. J'ai pas de pantalon jaune, donc du coup j'en ai pris un beige. J'essaie de prendre quelque chose qui se rapproche le plus au niveau de la ceinture. Pareil, j'ai pas de grosse ceinture comme ça, donc du coup j'ai pris ça. Pour faire la cape, j'ai pris ce magnifique peignoir. Oh mon dieu, c'est... c'est trop nul.
Ah ouais, grave, c'est lourd, hein. One Punch Man a peur pour sa carrière. Bonsoir, bienvenue dans le Stands Up Show. Ici, nous n'avons plus de dignité. Je suis ridicule. Mais oui, mon amour, c'est le but de la vidéo. Comment ça, hein. Mais oui, mais tu me soulages pas du tout. J'arrête YouTube. On est mal. Oui, j'ai pas mis la bonne musique. Oh, on dirait pas les vieux mecs qui ont des... une couronne, mais là, c'est vraiment la fin de la fin de la calvitie, tu vois. Je suis ceinture noire de mocheté. Vas-y, on va faire un profil Tinder avec ces photos. N'hésitez pas à mettre ça en photo de profil Tinder, les gars. Faites-vous plaisir. 13 minutes pour encore plus ressembler à de la merde. Pour les bottes, malheureusement, j'ai pas de rouge. J'ai que des noirs. Hein? Peut-être avec les bottes, on reconnaît. Ouais, non. Mais comment il met sa cape, lui? Elle est accrochée là. Elle est clouée à son vrai. Ouais. Eh ben, je l'emmerde. Hey! Beaucoup trop swag ou pas? Non. One punch! Mais t'es trop loin, mon amour. C'est quoi ce caméraman? Moi, je t'admire. Je te fais si peur que ça? Bon, il me reste 15 minutes et j'ai peur de malheureusement avoir déjà fini parce que j'ai rien en fait. Du coup, j'ai pris des gants. J'ai pris des gants verts parce que j'ai pas de gants rouges, mais je trouvais ça important, les gants. C'est un peu une pièce maîtresse du costume. Peut-être de loin, dans le noir, il y a peut-être quelque chose. Regardez, il était en dessous, pardon mon bébé. Look at this! C'est plus Ronald McDonald que... Allez chez McDo, venez comme vous êtes. I'm love, venez. On peut aller quand c'est au McDo? Non. Bon bah on part là-dessus, hein. J'adore ce cosplay. T'es sûr que tu vas pas me quitter après cette vidéo, genre? Oh, ça me compresse le cerveau. Ça explique les idées que t'as eues pour l'instant. Je n'ai qu'une seule serviette rouge pour faire un gant. One punch! Bah oui, j'ai un seul point. Ça nous révèle qu'elle a pas vu l'animé, elle pense que c'est un mec qui a une seule main. Non, bah non, je l'ai pas vu, mais je sais qu'il a deux mains. Mais moi, c'est différent, je suis un peu éclopée, de toute façon, ça se voit. Du coup, je filme mal parce que je rigole trop. D'habitude, les 30 minutes cosplay, les gens se moquent à la fin et dans les commentaires, et je peux juste ignorer, mais là, c'est mon mec qui se fout de ma gueule. Voilà. Il me reste 9 minutes 51 et le cosplay est fini. Allons voir ça dehors. Ah, ma cape s'est barrée. Est-ce que j'ai l'air de voler ou... Ouais, non, carrément. Ouais. Mon dieu, que dire? C'est illégal ce que j'ai fait, hein. Je sais pas ce que t'as fait toi, mais moi ce que j'ai fait c'était vraiment... c'est pas possible, on fait pas des trucs comme ça. Je crois qu'on va juger laquelle des deux ira en prison pour le plus longtemps parce que moi aussi c'était illégal, meuf. Oh mon dieu. Mais il est trop bien, tu rigoles, ça ressemble au moins. Le mien il ressemble pas du tout. Bon, c'est pas hyper flatteur, mais je sais reconnaître que c'est le gars de One Punch Man, tu vois. Oh, on dirait c'est le mec dans Bob l'éponge, le Bernard l'ermite. Ah oui, je vois qui c'est, les deux, oui. Non mais dans tous les cas on est dégueulasse, enfin bon. Autant le premier il y avait un effort et tout, les deux étaient mignons, mais là je posterai pas ça sur Insta, tu vois. Bref, du coup n'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle des deux a le mieux réussi ce cosplay ainsi que le précédent, c'était hilarant. C'était drôle de faire ça avec une cosplayeuse, mais du coup t'as galéré ou pas, ou ça allait, t'avais quand même pas mal de... Violette ça va, en vrai je pense que j'ai su plus ou moins me démerder avec la coupe de cheveux et tout, par contre ouais. le dernier c'était chaud, j'avais vraiment rien quoi. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous fais des énorme bisou et moi Tori. N'hésitez pas à aller voir son TikTok que je vous mets juste là ou son Insta. Et voilà, vive le cosplay, c'est trop bien. Maintenant que je vais être cancel du cosplay pour toujours. Mais non, ça va. On vous fait d'énormes bisous et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Bisous.